Salut les gars, aujourd'hui on va faire du métal. Bon, salut à toutes et à tous. Cette semaine, en leçon exclusive pour vous sur Patreon, je vous propose de travailler sur un petit plan que j'ai écrit. C'est pas très inspiré, j'ai fait ça à moitié en slip un dimanche matin, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Cependant, j'ai extrait trois exercices de ce plan que je pense être vraiment pertinents pour travailler la rythmique métal, déjà à grande vitesse, travailler la décontraction de l'avant-bras. C'est toujours le but ultime quand on est en rythmique métal. Vous trouverez dans le dossier à télécharger les tablatures en guitare pro et PDF, ainsi que les vidéos de démonstration à plusieurs tempos pour pouvoir jouer tous ces exercices avec moi. Vous aurez aussi des backing tracks disponibles pour chaque tempo de travail. Le premier exemple, le plus difficile des trois, ça commence fort, on est sur un débit de double croche à 210 BPM. C'est une bonne vitesse. La technique employée ici s'appelle du tremolo picking, c'est-à-dire qu'on va jouer des mélodies en répétant très rapidement chaque note. Technique très employée en black metal, death metal et autres. La première difficulté de ce plan est de bien respecter le débit de double croche. Dans la première descente de l'exercice, on s'arrête sur chaque note pendant un temps. Je vous montre. Voilà, donc c'est comme je vous dis, le tremolo picking, hein, je fais la même note plusieurs fois de suite. Ici, dans un débit de double croche, ça me fait 4 notes par temps, hein. Ensuite vient une note longue, il faudra en profiter pour décontracter un petit peu l'avant-bras. La deuxième difficulté est de négocier les sauts de cordes. Notamment au milieu du plan, vous avez un saut de corde entre la corde de Si et celle de Mi grave. Voilà. N'hésitez pas à travailler lentement pour négocier la rotation du poignet, hein, qui doit contourner toutes les cordes pour pouvoir venir attaquer de nouveau la corde de Mi grave, hein, ici. Hein. Je suis donc là. Je viens de faire mon coup vers le haut et faut, hop là, repartir ici pour un coup vers le bas, un downstroke sur la corde de Mi grave. Deuxième plan, on est sur un riff plutôt typique thrash metal, hein, donc quasiment tout en downstroke, c'est-à-dire des coups de médiator vers le bas. Pas de complications particulières si ce n'est la vitesse. Je vous conseille ici de monter progressivement le tempo pour connaître votre vitesse maxi, c'est-à-dire savoir à quelle vitesse ce genre de plan est abordable pour vous et quelle est votre marge de progression et savoir est-ce que vous avez des difficultés genre à 110 BPM ou à 180 BPM. 180 BPM, c'est déjà une bonne vitesse, hein, c'est sympa. Hein. Là, c'est un exercice vraiment purement musculaire. Hein. Donc comme pour le sport, ça va demander de l'exercice et aussi bah, de l'entretien, comme la course à pied, quoi. Attention, cela dit, aux douleurs, et je déconne vraiment pas là-dessus. Hein. C'est-à-dire que si vous ressentez des contractions, des douleurs, notamment derrière le coude ici, au niveau de l'épaule à cet endroit-là, c'est que là, vous êtes crispé, contracté, et ça fleure bon la tendinite ici. Donc vraiment, je déconne pas. Hein. Quand il arrive ce genre de truc-là, vous posez la guitare un petit peu, vous allez boire de l'eau, vous reposez et vous y revenez plus tard. Cela dit, si c'est le muscle ici sur lequel vous avez des douleurs, c'est que c'est le muscle qui travaille. Donc a priori, pas d'inquiétude à avoir, forcez juste pas comme un bœuf non plus, quoi. Troisième exercice, on repart sur du tremolo picking, mais cette fois-ci à 140 BPM, donc c'est un peu plus lent, mais dans un débit de sextolé. Ça veut dire 6 fois la même note par temps. Et donc en fait, bah, le débit va compenser le tempo, donc c'est super rapide aussi. La difficulté vient du débit de sextolé. Hein. Prenez vraiment le temps de jouer ce riff très lentement, de conscientiser, on va dire, chaque coup de médiator pour savoir si vous faites bien 6 coups, 6 notes par temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous pouvez vous entraîner sur une note déjà juste pour savoir est-ce que vous faites bien 6 notes par temps. Encore merci infiniment à vous pour votre soutien à travers votre abonnement Patreon. Du nouveau contenu exclusif est à venir dès la semaine prochaine pour vous accompagner dans votre développement à la guitare. Bossez bien, éclatez-vous bien, à la semaine prochaine. Ciao !